السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. إفريقي يتكلم على الانقلاب العسكري في الغابون. تابعوا معنا هذا الفيديو. Voilà. Vous n'allez jamais comprendre. Vous condamnez quoi? Est-ce que vous savez que nous en Afrique on est déjà condamné depuis qu'on est né? On est mort, on n'est pas encore né, on est condamné. Vous condamnez quoi encore qui va nous effrayer? Non, condamnez. Si vous savez condamner, allez-y condamner Sarkozy. C'est lui qui allait détruire tout un continent parce que l'Afrique, depuis qu'il allait détruire la Libye aujourd'hui, l'Afrique, vers tout là-bas, là, c'est gâté. À partir de là-bas, vous avez introduit des terroristes vers le Niger, le Mali, le Burkina, déstabiliser toute la région là. Depuis quand nous, il y avait terroristes au Burkina. Comment une seule famille peut se lever, diriger un pays pendant 1000 ans? C'est l'Empire romain ou bien? Même empereur, souvent, il meurt. Les gars, là, on dirait, ils ont fait complot, même avec la mort. C'est-à-dire, les dirigeants qui contrôlent là, ils ne meurent même pas. Jusqu'à le gars vit, jusqu'à même son âme même est fatiguée, son âme même, il y a longtemps, son âme est partie à la retraite. La dernière fois, il faut le voir quand ils ont été réussis avec Poutine. Regarde comment d'autres marchent comme ça. Hein? Comme des momies. Celui-là, il dirige quoi? Moi, la France est condamnée. Condamnée! Maman, vas-y, on ne mange pas. Je sais que bientôt, même si la CDAO pouvait aller mettre leur bouche dans ça, on est assis, tu vas voir la CDAO avec leurs gros ventes là. On dirait qu'ils ont les a pompés à l'hélium, ils vont commencer à parler là-bas. Ah non, écoutez, ben voilà, nous, on condamne le coup d'État, nous appelons à la restauration de l'État des droits. Quand vous tripatouez les constitutions ici, vous partez faire des troisième mandats ici, les gens manifestent, vous les tuez, et puis ça va nulle part. Vous pensez que mais aujourd'hui, l'armée est consciente. Les jeunes élites qui aujourd'hui qui sont dans l'armée, c'est des gens, c'est des intellectuels, c'est des gens qui ont étudié. Ils connaissent le droit. Et c'est des gens qui ont appartenu au bas peuple. Ils connaissent la souffrance des gens. Ils ne se lèvent pas comme ça un matin pour dire on va prendre le pouvoir parce qu'on veut tuer des gens. Non. Parce qu'ils voient le ras-le-bol. Tout le monde est fatigué. Et même leur petit canne qui va commencer en Côte d'Ivoire là. Tu vois, ils vont dire non, tous les pays où il y a eu le coup d'État là, ils sont sanctionnés, donc ils ne vont pas jouer canne. Nous, on va jouer entre nous. Voilà. Peut-être même pour la première fois, la Guinée va se qualifier en finale. Parce que imaginez dans une compétition où il y a le Mali, il y a le Niger, il y a le Burkina, et puis il y a le Gabon, et puis il y a la Guinée. Et là, la vision, nous, on va organiser. La CAN même que vous nous avez arrachée, là, nous, on va reprendre. On organise maintenant notre vilain terrain, là, on va jouer ça dedans. Voilà, c'est terrain de coup d'État, on va jouer ça dedans. Et puis imaginez, nous, on est qualifiés d'abord pour jouer, on ne joue pas éliminatoire. On joue contre le Niger, on les fait 1-1. On joue contre le Burkina. Comme ils ont fait 2 coups d'État, ils vont gagner 2-1. Et là, le Mali, là, on fait 1-1 aussi. Donc, imaginez, déjà, nous, on est qualifiés. Le Gabon, comme ils sont nouveaux dedans, nous, eux-mêmes, ils sont déjà en quart de finale. À demi-finale, on frappe. Et pour la première fois, au moins, peut-être qu'on va jouer en finale ou on va gagner une Coupe d'Afrique. Ah, allez-y, condamné. Peut-être même un jour, c'est de haut, on va envoyer des émissaires dans un pays. Si les émissaires là-bas reviennent dans leur propre pays, il y a un coup d'État. Ils vont voir où ils vont rentrer. Parce qu'à l'heure, là, tout le monde est comme ça. Et puis, on est prêt.